Sur les écrans de la visioconférence où il est entendu depuis la prison des Baumettes à Marseille, Jacques Marianne y s'emporte. Je n'ai rien fait, vous voulez me condamner à cause de mon patronyme. Il réagit suite au réquisitoire de la procureure qui demande à son encontre une peine de 3 ans avec mandat de dépôt, inconcevable pour maître Jean-Sébastien de Casalte, l'un des avocats de Jacques Marianne. Je crois que 3 ans requis dans une affaire qui nous est présentée comme une affaire banale d'escroquerie, c'est beaucoup trop et je considère pour ma part que l'explication à cette arithmétique de la peine ne trouve en réalité son origine que dans la personnalité de Jacques Marianne. Jacques Marianne est soupçonné d'avoir voulu revendre à des producteurs en Corse 75 kilos d'huile essentielle d'immortel, dérobée au sein de la société L'Occitane à Manosque en 2016 pour une valeur de 350 000 euros à la revente. Il nie les faits. 4 autres personnes sont jugées, dont Aurélie Merlini, elle aussi en détention à Marseille, contre laquelle 3 ans de prison ont été requis par le ministère public. Elle aussi nie les faits. Contre les autres prévenus, des peines de 4 mois avec sursis à 18 mois ont été requises. Le jugement a été mis en délibéré au 5 février.